Paris s'avance sur un volcan ici à Naples. À la veille du match ce lundi, le Vésuve tout proche était embourbé dans la brume. Mais demain, ce sera bien un stade en éruption que les Parisiens trouveront ici au San Paoli. Plus de 50 000 personnes seront présentes, dont 2 000 Parisiens, pour le choc de cette quatrième journée du groupe C. Les Parisiens comptent actuellement 4 points et une victoire est impérative pour pouvoir continuer à rêver de terminer en tête du groupe C. Un match nul les laisserait maîtres de leur destin et une défaite serait, pour ainsi dire, catastrophique. En conférence de presse, Thomas Tuchel a essayé d'enlever de la pression à ses joueurs en indiquant qu'il voulait d'abord gagner la double confrontation avec le Napoli. L'entraîneur a aussi indiqué qu'il pourrait ne pas aligner ensemble ces quatre joueurs majeurs de l'attaque, Di Maria, Cavani, Neymar, Mbappé. Voilà, il pourrait laisser l'un des quatre sur le banc de touche au coup d'envoi. Beaucoup d'enjeux aussi un petit peu secondaires pour ce match. Le retour des Italiens Verratti et Buffon dans leur pays. Et puis bien évidemment, le retour aussi de l'idole Edinson Cavani sur une pelouse où il a été roi et où le public espère le revoir un jour. Mais pour l'instant, il portera bien le maillot du PSG.